bet you're wondering how I knew about your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us guys, you know I love you more. C'est pas bon ça? La Capella introuvable de Marvin Gaye à Yannick Foulou et Grumbay. Rien à dire. Ouais, voilà. Ça y est, on est dans la salle. C'est pas bien ça. Alors, juste, il n'y a que moi où j'ai l'impression de me faire chourer ma chronique musique par la dame habillée en noir à côté de moi. Non, il n'y a que moi où. Après, ça se passera. Ouais. Non, mais si vous voulez parler musique, allez-y quand même. Hein. Alors, trois albums, trois chanteurs. Oui, pourquoi je vous ai mis Monsieur Marvin en introduction? Parce que c'est quand même le patron de la soul, le parrain absolu. Et là, c'est un peu la relève de la soul avec des jeunes gens qui ont beaucoup écouté James Brown. Vous allez voir, beaucoup écouté aussi Marvin Gaye et tous les chanteurs soul. Ils se démarquent un petit peu quand même, non? Oui, ils se démarquent un petit peu, mais ce qui est toujours intéressant, c'est ça, c'est des jeunes gens de même pas 30 ans qui, on a l'impression, hop, viennent de découvrir la soul. Et, voilà. On commence par un garçon que j'aime beaucoup, il s'appelle Benjamin Booker. Je les aime tous beaucoup, mais lui, plus beaucoup. Voilà, il est américain, il a 28 ans. Voilà, lui, c'est le plus. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mélange à la fois le rock à la Chuck Berry, c'est-à-dire le rock and roll, le 60s, et la voix et l'arrangement Motown. On en parlait vendredi dernier. Le côté Motown, c'est-à-dire les arrangements très sucrés avec des cordes, etc. Ouais. Et la voix, vous allez voir, il a une voix incroyable. Cet album parle vraiment de la condition d'être un garçon afro-américain aux États-Unis. Donc c'est tout à fait actuel, en fait. C'est étrange, c'est que la forme est très ancienne, très 60s, et le texte est encore actuel, encore maintenant. On écoute ? Allons-y. Ah, ils sont des timbres d'aujourd'hui, quand même. Ouais. Voilà. On dirait vraiment le fils de Lenny Kravitz, de James Brown, la voix, Joe Cocker, un mélange de plein de trucs. Le fils de. Le fils de, voilà, le fils de plusieurs de. Alors, sans co ni fa. Alors. Sans fa. Bah, très bien, très joli, très joli. Miles Sanko, voilà, un garçon qui est un petit peu plus âgé, il a 37 ans, il est né au Ghana. Et Miles Sanko, il a grandi en Angleterre, dans une Angleterre rurale, c'est-à-dire assez loin de tout ce petit bazar. Ce qui est intéressant, il a commencé par... Non mais voilà, c'est-à-dire qu'après quand vous êtes en ville, machin, vous connaissez des copains qui jouent de la soul, lui pas du tout. Donc il a commencé en tant que rappeur, puis un jour il entend les albums de funk, il fait « Ah, c'est pas mal le funk quand même ». Donc il passe à la funk, puis il entend la soul, il fait « Hey, c'est pas mal la soul ». Donc boum, il s'arrête quand dans l'archéologie? Je ne sais pas, là il est bien, là où il est bien. Ce qui est intéressant, c'est que ce parcours-là fait qu'il a un phrasé par le rap et le funk assez différent. Et qu'il a aussi cette voix très soul. C'est vraiment le croisement R&B et soul, vous allez voir. C'est... Et entendre. Et entendre. Ah oui, il y a des images. C'est bien préparé. Mais j'adore. Finally, your promise. C'est pas du premier album, ça. Non, c'est pas du premier album. Il avait sorti un EP, un mini-album, voilà, Extended Play. Et voilà, ça, c'est le premier ou le deuxième. Je vérifierai dès que j'aurai les internets. Évidemment. Car évidemment, je ne sais pas tout. Je suis manipulé par des jeunes femmes qui écrivent. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, évidemment. Et on termine avec Sampha, dont on avait déjà parlé. Sampha, c'est un garçon. L'album est sorti il y a quelques mois, mais comme il fait des dates là avec les festivals, j'avais envie d'en parler, puis parce que j'aime beaucoup aussi. Londonien, 27 ans. Il a beaucoup écrit pour des gens pas très connus comme Kanye West. Jamais entendu parler de Kanye West. Ou Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. Jamais connue non plus. Hein, voilà. Et donc il a beaucoup écrit pour elle, jusqu'à ce que quelqu'un dise tu veux pas, t'y mettre, toi? Oui, genre. Non, parce qu'avec toutes ces inconnu, on n'y arrivera jamais. Oui, c'est quoi, ça, c'est vraiment, ça. On galère, en fait, c'est vraiment, tu veux écrire pour des gens connus. Et donc, cet album est très émouvant parce qu'il y a beaucoup de piano, c'est un mélange, c'est pas tout à fait soul, là, on s'éloigne un peu, mais j'avais quand même envie d'en parler, je fais ce que je veux, je décide. De toute façon, oui, c'est toujours plaisant. Oui, c'est gentil. Donc, beaucoup de piano, parce que
qu'il a appris le piano tout seul. C'est un album hommage à sa maman. Il a perdu sa maman, il en parle avec une grande beauté, comme la chanson qu'on va voir. Et par exemple, le titre s'appelle No One Knows Me. Personne ne le connaît mieux que son propre piano. C'est très touchant, c'est un mélange de genres et assez juste. Regardez. Merci Alex, merci Sarah.